Le retour à la maison. Le retour à la maison. Le général inspecte le champ de bataille et réveille les morts. Au fur et à mesure que les morts se relèvent, ils se mettent au garde à vous. On assiste à la revue des morts après la bataille. Nous sommes les gazés. Vos ordres, et vive la patrie. Nous sommes les sans-boyaux. À vos ordres, vive la patrie. Nous sommes les criblés par balles. À vos ordres, vive la patrie. Nous sommes les foulés aux pieds. À vos ordres, vive la patrie. Nous sommes les mis en pièces, moitié chair, moitié éclat de Shrapnel. Nous sommes des exécutés pour haute trahison. Vive la patrie. Nous sommes les morts d'une balle en plein cœur. À vos ordres, et vive la patrie. Nous sommes les morts aveugles. Nos yeux ont été, oui, arrachés, et nos orbites sont vernissées. À vos ordres, vive la patrie. Les morts enterrés vivants, à vos ordres, et vive la terre de la patrie. Nous sommes les noyés, à vos ordres, vive la patrie. Nous sommes les morts de peur, après avoir chié dans nos frocs, à vos ordres, et vive la patrie. Par les rats pendant le sommeil. À vos ordres. Vive les rats de la patrie! Allez, debout! Maintenant, vous avez le droit de rentrer chez vous. Ouais! Allez! Bougez vos culs! Vous avez le droit à un grand défi! Ouais! Et attention! Mettez-vous bien ça dans votre caboche. Personne. Aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon. On rentre à la maison. Ouais. Mais au moins, mon général, est-ce qu'on a gagné? Tu n'as pas entendu qu'aujourd'hui, c'était le jour du grand pardon? La victoire, on s'en fout. Il faut pas lui en vouloir, monsieur le général. Il est frais. Il est mort que depuis 2 jours. Donc, on est attendu dans la capitale. Ouais. On va rentrer dans la capitale avec la fanfare en tête. Hey. T'entends ça, petit? Ta mère a accroché des guirlandes sur son balcon. T'as droit aux guirlandes, aux confettis et à la musique militaire. Ouais. Mais attention, mets-toi bien ça dans ta caboche. Personne ne pose plus de questions. Vous n'avez plus le droit aux questions. Les questions, c'est des mensonges. Compris? Monsieur le général,
Quand est-ce qu'elle vient, la commission pour le dénombrement manuel des cadavres? La commission de quoi? On nous avait dit qu'on avait le droit à un dénombrement un par un, et non pas par approximation. La patrie devait nous envoyer une commission pour nous dénombrer. Ils devaient venir nous compter. Et ils ne sont pas venus. On attend depuis 3 jours sous la pluie. Les chiens ont commencé à nous bouffer. Si ça continue comme ça, on va rentrer chez nous dans le ventre des chiens. Chez l'ennemi, les morts ont été comptés jusqu'au dernier. Chacun de son numéro, on les a classés, on les a groupés. Et nous, pourquoi c'est si difficile que ça, monsieur le ce décompte? Peut-être que la commission attend qu'on se décompte nous-mêmes. On va le faire s'il nous faut. C'est pas bien, ça, mon général, après avoir tant entendu cette putain de tout ça. Pourquoi c'est si difficile que ça, ce décompte, monsieur le général? Mon général... Quand est-ce qu'elle vient, la commission sanitaire, pour nous couper les ongles? Vous voyez bien comment les ongles poussent vite chez les morts. Les ongles et les cheveux. La dernière fois, la commission, elle est venue tout de suite. Pas vrai, les gars? La dernière fois, on n'a pas eu de problème. Et voilà que cette fois-ci, on attend depuis une semaine qu'on vienne nous couper les ongles. C'est pas juste. Chez l'ennemi, tous les morts ont déjà les cheveux coupés, les ongles coupés. Qu'est-ce qu'elle attend, la commission, pour venir nous couper les ongles? C'est notre droit. Et qu'est-ce qu'ils foutent, les coiffeurs de la patrie, monsieur le général? C'est pas juste. C'est pas juste. Monsieur le général, qui va nous débarrasser des mouches sur le chemin de retour? Parce que nous, on ne peut pas le faire soi-même, il faut que ce soit la patrie qui nous débarrasse des mouches. Vous avez vu quel problème on a en ce moment avec les mouches, monsieur le général? Jamais on était aussi nombreuses. On ne peut pas entrer dans la capitale avec ces mouches sur le visage. Comment passer sur l'Arc de Triomphe avec les mouches sur le visage? Comment parader comme ça avec les mouches sur le visage? Et comment ils vont faire, nos mères, pour nous reconnaître avec les mouches sur le visage? Pourquoi la patrie n'a pas pensé aux mouches, monsieur le général? Bon. Dans quel ordre on rentre, monsieur le général? Comment ça, dans quel ordre? Oui, on met qui en tête de colonne? Bon. Devant, tu peux mettre les décorés. Je veux qu'ils soient beaux, choisis parmi ceux qui sont encore intacts. Il faut que ça fasse une bonne impression quand on voit rentrer dans la capitale. Après, tu peux mettre les gradés. Ah, les gradés, c'est tout. Ensuite, tu peux glisser le détachement d'aveugle pour qu'il soit encadré. Puis en dernier, tu peux mettre les casés. Car eux aussi, en général, sont interdits. Monsieur le général, nous sommes le détachement de ceux qui ont reçu des décorations. Nous sommes les décorés de la patrie. Nous avons tous reçu des décorations. Nous, on vous annonce que nous, on ne rentre pas à pied. À pied, non, que la patrie nous fournisse des camions. À pied, ça ne marche pas. À pied, c'est les déserteurs, les traîtres et ceux qui ont chié dans leur propre. Nous, on veut des camions. On veut être devant et en camion. Parce qu'on n'est pas cons, nous. Nous sommes le détachement de ceux qui ont reçu une balle en plein cœur. Nous sommes en tout une bonne centaine. Nous avons tous une balle logée dans notre cœur. Avez-vous remarqué, monsieur le général, lorsque quelqu'un est tué d'une balle en plein cœur, la balle reste logée dans son cœur. Elle reste blottie dans les ventricules. Nous, nous sommes morts comme foudroyés. Rien n'est plus beau, monsieur le général, qu'un soldat mort sur le champ de bataille d'une balle en plein cœur. Nous n'avons pas été criblés de balles. Nous n'avons reçu qu'une seule balle. Boum!
ça que nous sommes beaux. Rien de cassé, rien de brisé, rien de brûlé. Juste un tout petit trou à la hauteur du cœur. Nous pensons que nous avons le droit, nous, d'ouvrir le défilé. Nous sommes l'élite des morts, monsieur le général. D'autant plus qu'on est peu nombreux. Nous sommes intacts, nous sommes beaux, et nous sommes peu nombreux. Regardez, tous nous envient. Qui n'aurait voulu mourir comme ça, d'une simple balle propre, en plein cœur? Monsieur le général, nous sommes les gazés. Nous attendons la commission pour qu'elle vienne nous refermer nos bouches. Vous avez vu les bouches qu'on a, monsieur le général? On ne peut pas rentrer avec ces bouches-là. On ne peut pas rentrer dans la capitale avec ces bouches largement ouvertes, figées, comme si on mendiait avec nos bouches. C'est le devoir de la patrie de venir nous fermer nos bouches. Et en plus, il y en a qui se moquent de nous. Ouais. Ils disent qu'il nous pleut dans la bouche. C'est pas... Regardez ces bouches momifiées. On dirait des cris pétrifiés. C'est le devoir de la patrie de nous fermer les bouches. Et tout seul, on ne peut pas se fermer la bouche. Ben non, sinon on l'aurait fait. Général, nous sommes les disparus. Plus rien reste de nous. Pas un atome, pas une molécule, pas un cheveu, pas un ongle, pas un bouton, pas une boucle de ceinture. Nous sommes portés disparus. Donc, on n'a pas de cadavre. Alors, comment on va rentrer chez nous sans cadavre? Nous avons le droit d'avoir un cadavre, monsieur le général. On ne peut pas rentrer chez nous sans cadavre. Pourquoi n'avons-nous pas de cadavre, monsieur le général? Mais au moins, ne nous abandonnez pas ici. Emmenez-nous avec vous. Nous sommes prêts, nous, à clôturer le défilé. Vous nous pouvez nous placer en queue de colonne. Et ça arrange aussi les exécutés pour haute trahison qui se plaignent d'être les derniers. Nous, on veut bien être les derniers. On n'a pas honte, nous, de défiler en dernier. De toute façon, il faut bien que quelqu'un soit le dernier, monsieur le général. Et les gars, pour vous, vraiment, je n'y peux rien. Mais on veut rentrer avec vous, monsieur le général. Si on ne rentre pas maintenant avec tout le monde, on est foutu. Pourquoi ne pas rentrer maintenant avec tout le monde, monsieur le général? Il y en a qui ont eu plus de chance que nous. On leur a trouvé soit un pied, soit une main, soit une oreille. Tenez, le soldat Paleta. On a trouvé de lui que sa plaque matricule. Et il a eu le droit, bel et bien, de figurer sur la liste des morts. Et nous aussi, on veut figurer sur la liste des morts. Viens là, soldat Panetta. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a trouvé de toi, la commission pour le dénombrement? Non, mais dis-le plus fort. Qu'est-ce qu'elle a trouvé de toi, la commission du soldat Panetta? Que la plaque matricule 4759B630 à vos ordres, mon général. Vous voyez, monsieur le général, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas juste, nous sommes plus de 5000 disparus, une division. Ce n'est pas juste qu'on reste des disparus à jamais, jusqu'à la fin des temps. Nous avons le droit d'avoir un cadavre. Écoutez les gars, vous me mettez...
été dans une situation très embarrassante. Mais non, monsieur le général. Écoutez, les gars, moi je n'ai rien contre si vous voulez défiler vous aussi, mais ce n'est pas bien. Pensez à tous ceux qui aimeraient être à votre place. Vous ne vous rendez pas compte, les gars, la chance que vous avez d'être seulement disparu, parce que vous, en fait, vous êtes à moitié vivant. Hein? Pensez à vos familles qui vous attendent et qui ont gardé intact l'espoir de vous voir un jour rentrer vivant. Et vous, vous voulez être mort, mais vous êtes fou. Un mort déclaré, lui, on ne l'attend plus jamais, mais un disparu. Un disparu a le droit à tout moment de réapparaître. Voilà, il disparaît. Il réapparaît, un pas en avant, un pas en arrière. Monsieur le général, quand même. Quand même quoi? Quand même, monsieur le général. Quand même quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand même, monsieur le général. Nous sommes le bataillon de ceux qui ont été exécutés pour haute trahison. Et alors? Alors, on ne veut pas être comparé avec les déserteurs. Mais qui ose vous comparer avec les déserteurs? Mais pourquoi alors nous vous avoir placés dans le défilé mélangé avec les déserteurs? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Monsieur le général, je suis à vos ordres, exécuté pour haute trahison. Je ne suis pas exécuté pour désertion. Et nous, les 3000 exécutés pour haute trahison, nous ne voulons pas défiler côte à côte avec les 7000 exécutés pour désertion. Et vous voulez défiler comment? Nous, avant, et eux, après. Parce que nous, on ne sait jamais défiler. On ne sait jamais faufiler. Nous avons trahi parce que nous avons cru en quelque chose. Mais eux, ils n'ont cru en rien. Donc, ce n'est pas juste qu'on soit mêlé à eux. D'accord, on rentre ensemble, on s'est pardonné réciproquement, mais pour le défilé, nous avant, et eux après. Parce que nous avons cru quand même en quelque chose. Nous avons réagi par conviction. On nous a exécutés pour une conviction. Et eux, ils ont été exécutés pour... faufilage. Nous, on ne nous a pas exécutés pour faufilage, on nous a exécutés pour une conviction. Mais eux, ils sont morts à cause de... faufilage. Ben, je suis désolé de vous embrouiller avec tout ça, monsieur le général, maintenant que le grand pardon est enfin arrivé, mais nous voulons rentrer dans la capitale correctement en fonction de nos mérites. Basile, place l'échelon haute trahison devant l'échelon désertion. Monsieur le général, qu'est-ce qu'il y a encore? Permettez-moi de rapporter. Nous sommes le détachement de ceux qui croient encore dans la victoire. Écoutez les gars, vous tenez à tout prix à me compliquer la vie. Monsieur le général, permettez-moi de rapporter. Nous ne sommes pas d'accord avec ce départ précipité. Et nous avons le droit de croire encore en la victoire. Espèce de chieur. Vous n'avez pas compris qu'on a fait la paix? On l'a peut-être faite, monsieur le général. Mais il se passe que nous croyons encore en la victoire. Vous n'avez pas vu la lumière, espèce d'emmerdeur? La lumière qui brille encore dans vos âmes. Tout le monde est aujourd'hui comblé par la lumière de son âme. Le grand pardon est arrivé. La paix éternelle est arrivée. Et vous? Et qu'est-ce que vous mijotez? On ne mijote rien, monsieur le général. Et si, vous voulez ressusciter la haine générale d'avant? Non, monsieur le général, nous sommes heureux de voir que la lumière est arrivée, mais nous pensons que notre stratégie a été bonne et qu'on a été mal dirigé.
Écoutez les gars, cessez de déconner comme ça. Pensez plutôt à vos mères qui vous attendent. Vous avez, vous aussi, des mères, j'imagine. Hein? Non? Oui, nous avons aussi des mères à vos ordres, monsieur le général, mais nous pensons que c'est à cause d'une toute petite connerie qu'on a raté la victoire. Vas-y! Ces cons-là qui croient encore en la victoire. Mets-les en dernier. Qu'ils soient à la queue du défilé. Monsieur le général, lorsque nous sommes partis pour la bataille, déjà frappés d'amnésie. Avant la bataille, on nous avait déjà lavé le cerveau. On ne se rappelle plus de rien. Dites les gars, est-ce qu'on se rappelle encore de quelque chose? Vous voyez, monsieur le général, on ne se souvient plus de rien. On ne sait même plus de quel côté on s'est battu, si on s'est battu pour la victoire. Contre la victoire. Dites les gars, savez-vous pour qui on s'est battu? Oui, on ne sait plus rien. On ne sait plus qui on est, d'où on vient, et pour qui on s'est battu, et pourquoi on est mort. Dites les gars, savez-vous qui on est? Non. Savez-vous d'où on vient? Non. Savez-vous pour qui on s'est battu, et pourquoi on est mort? Vous voyez, monsieur le général, nous, lorsque nous sommes morts, nous avions déjà le cerveau lavé. Lorsqu'on nous a envoyés en avant dans la bataille, on avait déjà le cerveau lavé. Donc, on ne se souvient plus de rien. Nous ne savons même pas ce que victoire signifie. On nous dit que nous sommes morts pour la patrie, mais on ne sait pas ce que ce patrie signifie. Parlons avec vous, monsieur le général, mais on n'a pas la moindre idée de qui vous êtes. On a entendu dire que le grand pardon est arrivé, que dorénavant tout ira bien, que nous allons rentrer chez nous, que nous ne serons plus obligés de manger de la terre. Mais nous ne savons pas ce que pardon signifie. Dites les gars, sait-on ce que le grand pardon signifie? Voilà. On ne sait rien, mais on croit qu'on a le droit de tout savoir. On a entendu dire que vous avez construit un mausolée. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'un mausolée. Dites les gars, vous savez ce que c'est qu'un mausolée? Vous savez ce que c'est que la victoire? Vous savez pourquoi on est mort et pour qui on est mort? On ne sait jamais rien. Sait-on pourquoi, monsieur le général, le petit ver qui vit dans le petit trou de notre temps ne s'endort jamais? Non. Sait-on pourquoi, monsieur le général, le petit ver qui vit dans le petit trou de notre tente n'arrête pas de s'agiter, de crier, de pleurer, de pouffer, de gémir, de cracher et de nous traiter de cons? Non. Sait-on pourquoi, monsieur le général, le petit ver qui vit dans le petit trou de notre tente se met parfois à chanter? Vous voyez, monsieur le général, on ne sait rien. Pourquoi on a le droit de savoir pourquoi le petit ver qui vit dans le petit trou de notre temple se met à chanter? Voulez-vous écouter le chant du petit ver qui vit dans le petit trou de notre temple?
Monsieur le Général, nous aussi, nous avons un gros problème. Voilà. Lorsque nous sommes morts, eh bien, la mort nous a mis en érection. Oui, parfois, la mort vous fait ce cadeau. Le baiser de la mort est tellement doux, tellement tendre, tellement fugace, tellement tendre et sincère qu'il vous met en érection. Et depuis, nous sommes restés en érection, c'est embêtant. Oui, et comment rentrer comme ça chez nous en érection? Comment fouler à nouveau le sol de la batterie en érection? Comment pénétrer sous l'arc de triomphe en érection? Je crois que c'est le devoir de la patrie de faire quelque chose pour nous. Mais oui, pour que ça se termine, parce que ça fait mal. Lorsque nous sommes partis pour la bataille, il y avait pas mal de putes qui nous les accompagnaient. Oh, oui, il y avait des putes. Hein? Où elles sont passées maintenant, les putes de la patrie? Je pense que c'est le devoir de la patrie de nous fournir des putes. Mon général, nous avons droit à quelques putes, mon général. Il nous faut des putes. On veut des putes, mon général. Des putes. Monsieur le général, je suis la cuisinière chef du régiment, à vos ordres. Nous, les cuisiniers militaires, nous avons une proposition. D'ailleurs, la commission de la réconciliation nous apporte son soutien. On propose que tous les morts passent au moulin à légumes. Comme ça, on obtiendra une pâte parfaitement homogène, parfaitement molle, une vraie pâte à modeler, quoi. Et puis, on va peut-être la pétrir un petit peu, la travailler, quoi. Et on va la laisser se reposer. Peut-être qu'elle va se lever un peu, on verra. Mais de toute façon, on pourra faire un gâteau géant. Et on va rentrer comme ça chez nous, en gâteau. Et chaque famille pourra se couper une petite tranche. Car chaque famille a droit à au moins un mort. Et comme ça, tout le monde sera content.